Alors, hier, nous avons vu la lettre Y. Petit rappel, je vois Y, j'entends I comme dans pyjama. Et hier, tu as appris que le Y peut aussi remplacer deux I, comme dans crayon, Y, ou encore voyage, Y. Passons à la dictée. Et n'oublie pas de mettre la vidéo en pause à chaque fois que tu vois ce symbole à l'écran. C'est parti! Un voyageur. Un voyageur. Un voyageur. Des voyageurs. Des voyageurs. Des voyageurs. Et on n'oublie pas le S à la fin de voyageur, puisqu'il y en a plusieurs. Le paysan. Le paysan. Le paysan. C'est bien le son en, A-N. Les paysans. Les paysans. Les paysans. Et toujours avec le S quand c'est au pluriel. Le paysage. Le paysage. Le paysage. Les paysages. Les paysages. Les paysages. Avec le S au pluriel. Joyeuse. 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 Effrayante. 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 Bravo! Je suis sûre que tu te débrouilles comme un super zouzou. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour la dictée de phrases.